est là. Le congrès est là. Les mouvements proches de Charles Blé Goudé sont aussi également là. Nous sommes ici au siège du COGEP pour traduire en acte les instructions qui ont été données le samedi dernier à la cérémonie. On a reçu les instructions de Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous appartient de traduire en acte et en action ces instructions. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Il a décidé de contribuer à sa manière en donnant les t-shirts gratuitement à tous les militants et à tous ses partisans. Nous, on ne va pas Tuko. Les gens appellent, on ne va pas prendre le nom de Babou pour vendre Tuko. On ne vend pas Tuko. Ce qu'on donne à Babou, là, c'est notre cœur et notre amour. C'est pourquoi, ce 17 juin, notre général était absent, il a laissé des lieutenants sur le terrain. Et les lieutenants, là, c'est ce que nous sommes. On doit envahir l'aéroport, là. Le 17 juin. Correctement vêtu, discipliné, avec des chants de joie, on va accueillir notre père. C'est notre père. On ne nous a pas envoyé. C'est nous, on dit, on l'aime. On ne va pas discuter l'amour de Babou avec quelqu'un à Abidjan. Personne même ne peut discuter l'amour de Babou avec Abidjan. Parce qu'il nous a pas donné de l'argent. Il nous a pas distribué des billets de banque. Mais Laurent Babou est le symbole qui donne espoir au fils de Babou. C'est pourquoi on a épousé son combat. Yeah. On ne peut pas rester en marge de ce combat. Wow. Nous sommes dans la phase pratique de l'opération Aqua Bagouti. Chacun de nous est venu ici pour retirer son t-shirt. Pour ne pas se faire compter cet événement historique. Blé Goudé compte sur vous. Les Ivoiriens comptent sur vous. La nation compte sur vous. Laurent Gbagbo compte sur vous pour répondre massivement présent dès 6h le 17 juin à l'aéroport Félix Houphouët Boigny pour réserver à notre père un accueil digne, chaleureux. Notre chef l'a dit, aujourd'hui il est une nouvelle brebis du Seigneur. Allons dans la pureté, dans la joie, dans un élan de fête pour accueillir notre Père. Il a triomphé du mal, il a triomphé de l'injustice, il a triomphé de la calomnie. Chers amis, rendez-vous le 17 juin, c'est pris pour 6h. Camarades du mouvement national Charles Blé Goudé, vous avez décidé d'être derrière Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, son père arrive, son référent politique est en route. Vous avez décidé aussi de le faire en marge de cet accueil-là. Et Charles Blé Goudé, par sa volonté, vous offre ses t-shirts afin que vous puissiez les arborer pour accueillir son père, pour accueillir son référent, le président Laurent Gbagbo. Kamala Touré Dubois, président de la jeunesse du parti. S'il vous plaît, je t'engage. Et la direction t'engage. Le président Charles Blé Goudé t'engage. A envahi l'aéroport le 17 juin. Symboliquement, les soirs, c'est gagné. Au COGEP, on ne va pas tout. Soutien. Blé Goudé ne va pas tout. Soutien. C'est sa contribution à lui pour accueillir son père. Allez envahir l'aéroport. 10 ans sans voir son père, c'est pas donné. Après 10 ans de pénitence, notre papa, notre référent politique, Laurent Gbagbo rentre au pays. Nous avons décidé d'aller l'accueillir, d'être présent à l'aéroport. Le ministre Charles Blé Goudé, votre leader, fils digne de Laurent Gbagbo, vous offre ces t-shirts pour marquer le pas. Allons accueillir le feu. Je vous engage à vous mobiliser et envahir l'aéroport le 17 juin dès 6h du matin. Engage tes camarades à se mobiliser pour le 17 dans la discipline vertu des tenues de fête pour accueillir notre père Laurent Gbagbo. Merci. Je voudrais saluer le ministre Charles Blé Goudé qui nous a joliment habillés ce matin en nous mettant en mission ce jeudi pour envahir l'aéroport Félix Houphouët Boigny de Port-Boué. Je vais donc profiter de votre caméra pour appeler tous les jeunes militants de l'UJU-COGEP à envahir massivement l'aéroport Félix Houphouët Boigny. Quoi que tu fasses, ce jeudi, stop. On se trouve à l'aéroport Félix Houphouët Boigny pour accueillir notre référent politique, le président Laurent Gbagbo.
À quoi bas? Woody. À quoi bas? Woody. Toi, tu me regardes. J'ai dit à la réponse Président Boigny. En ajoutant l'acte à la parole, nous venons de recevoir les t-shirts d'Aqua Bar au président Laurent Gbagbo. De cet instant, nous invitons tous les camarades militaires de la jeunesse de Boucha Bleu-Boudé, tous les Ivoiriens, toute la population ivoirienne à se déplacer massivement pour le 17 juin, date maintenue pour l'arrivée de notre mentor, du président Laurent Gbagbo. J'invite tout le monde à participer à cette cérémonie. Aqua Bar, Woody. Aqua Bar, Woody. Nous sommes heureux d'être vêtus à la couleur de l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Ces t-shirts ont été offerts par notre président, le ministre Charles Blé-Goudé, pour gratuitement pour démontrer l'amour qu'il a pour son père, Laurent Gbagbo. J'invite toutes les filles, toutes les étoiles à être à l'aéroport dès 6h pour accueillir notre mentor, le président Laurent Gbagbo. Il y a eu le père de la nation, qui est Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu le père de la démocratie, qui est le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il y a le père de la mobilisation, qui est le ministre Charles Blé-Goudé. Et pour confirmer cette valeur, il était impérieux que chacun de nous soit disponible. C'est pourquoi nous sommes là. Pendant que je suis en train de vous parler, nous avons des lots de t-shirts que le ministre nous offre gratuitement. Pour qu'on soit bien vêtu pour être représenté dignement ce jour-là à l'aéroport. Chers camarades, j'invite toutes les fédérations, j'invite toutes les sections, j'invite toutes les bases, j'invite les cellules, les réseaux des enseignants de la génération Blé-Goudé. Oui, les réseaux aussi des agents de santé, la cellule féminine, les mémés, tout le monde se mobilise pour être vraiment à l'aéroport. Aqua Bar, oui dit. 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 Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Rendez-vous le 17 juin à 6h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Soutien.